Santi. Pardon, viens, viens, les deux des filles. Vous mettez un rap. Mais où est ton privé? Vous mettez un rap. Non, comme ça, rien. On conserve les deux rangs, on n'a pas de dégâts. Je salue le champion. Nous sommes des gagnants, toujours debout pour devenir les meilleurs. Champion? Oui. Champion? Oui. Nous sommes des gagnants, toujours debout pour devenir les meilleurs. Nous sommes un. Dans un nez d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un. Dans un nez d'amour. On les fond. Voilà. C'est pour bien voir, tu dis. C'est pas à cause de ça, vous êtes venu. Voilà, vous pouvez faire toutes sortes de commentaires. On attend la directrice pour nous donner le guide. Mais les filles, mettez où est-ce que ça va? Non, il y a plus non. Les animaux sont à l'intérieur, là, on les appelle pitons. Ce sont les plus grosses espèces de serpents qu'on trouve en Afrique, hein, particulièrement en Côte d'Ivoire. Ce sont des pitons. Hein, ils n'ont pas de venin. Les pitons n'ont pas de venin. Ils peuvent mordre et puis arracher une grande partie de la chair. Ils n'ont pas de venin. Ce sont des animaux qui tuent par étouffement. C'est-à-dire quoi? Ils enroulent leur proie. Ils servent jusqu'à ce que l'animal meure. Et quand l'animal va mourir, ils vont l'avaler et puis observer quelques jours de digestion. Juste après la digestion, l'animal va faire la mue. C'est-à-dire quoi? Il va se débarrasser de l'ancienne peau. Après s'être débarrassé de l'ancienne peau, il faut attendre encore quelques jours avant de leur donner à manger. Si vous donnez à manger dans l'immédiat, l'animal va mourir. Il faut attendre à ce que les cellules de la peau se reconstituent. Et à l'âge adulte, la taille varie. Entre 4 et 7 mètres. Ce sont des animaux qui sont capables d'atteindre 12 mètres facilement. Ils ont une durée de vie de 30 ans. 30 ans. C'est-à-dire qu'ils passent 30 ans sur la terre. Vous avez compris? Hein? Est-ce que c'est compris? Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Hein? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez compris? Hein? Regardez là. On fait face comme ça. Dans cette cage-là, regardez bien. On a des oiseaux. Ces oiseaux qui sont à l'intérieur, on les appelle Turaco. Voilà. Tout le monde, tout la cour. Qui a déjà vu le billet de 10 000 francs? Qui a déjà vu le billet de 10 000 francs? Moi, c'est pas quoi. Ah, bon, c'est un autre homme dans la vie. On te l'a bon, ça. Comment c'est un autre homme dans la vie? Voilà, ils ont combiné les mots.
il a la plume verte, il a la plume bleue. Mais ici, ce sont deux variétés différentes de Touraco. Il y a ceux qui ont la tête verte, il y a ceux qui ont le bec rouge-jaune. Eux, c'est les plumes bleues. Mais quand ils vieillissent, ces plumes bleues-là deviennent violettes. Vous avez compris. Ce sont des oiseaux qui ont une durée de vie de 40 ans. Les Touraco ont une durée de vie de 40 ans, mais ils sont frugivores. Qu'est-ce que vous entendez par frugivore? Oui. Hein? Fruit comment? Un frugivore. Un frugivore, oui. Voilà. Il mange des fruits. Un frugivore, c'est un animal qui ne se nourrit que de fruits. Mais ici, là, il faut varier. À la maison, on ne mange pas toujours la même sauce. On varie, non? Voilà. Avec les animaux, c'est pareil. Ils mangent la papaye, mais on donne aussi des feuilles de taro parce que ça contient le fer. Donc ça permet à l'animal de bénéficier de vitamines pour la croissance de son organisme. Vous avez compris les enfants. Les Touraco sont les animaux qui défendent leur territoire par des chants. Au lieu de se battre comme le font les autres, ils préfèrent plutôt chanter. Et c'est à travers les chants maintenant qu'ils arrivent à s'imposer. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Enfin, attends, on va finir d'abord. Oh. Est-ce que c'est compris les enfants? Oui, maman. C'est compris? Oui, maman. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, on ne fera pas. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas mettre les doigts. Il ne sait plus. On ne fera pas ici. D'accord. Regardez là, dans cette cage-là. On a des animaux qui sont à l'intérieur. Oui, ça, oui, ça. Il faut s'approcher. Il faut s'approcher. Il ne faut pas toucher Chris. C'est ça, là, on dit, je n'ai pas touché, mon frère, approcher. On a vu, ce sont des varans du Nil. Ce sont des animaux semi-aquatiques, c'est-à-dire quoi? Ils ont deux milieux de vie. Ils sont dans l'eau, ils sont sur la terre. Ces animaux-là, ils font la mue tout comme les pitons. C'est-à-dire quoi? Un animal qui fait la mue, c'est un animal qui se débarrasse de la peau. Les varans ont une durée de vie de 25 ans. Ils mangent la viande, ils mangent des fleurs, ils mangent aussi des escargots. Ce sont des animaux qui ont plus de vie de la peau. Ils se défendent avec le temps, ils ne plus la queue. Mais il faut surtout éviter leur morsure, parce que la bouche est fermée. Il faut pas toucher ça. Il faut y aller.
C'est pas caché. Ce sont des animaux qui ont une durée de vie de 25 ans, mais ils volent à 4000 mètres. Voilà. Maintenant, là-bas, c'est le vautour panique. Panique parce qu'il mange la graine. Et quand tu n'as pas de graine, tu peux manger le poisson. Vous avez compris, les enfants? Oui, tata. Quand tu n'as pas de graine, tu peux manger le poisson. Vous pouvez les manger tout là. Ils ont une durée de vie de 40 ans. Vous avez compris? Le vautour palmiste a une durée de vie de 40 ans. Only. Donc lui, il vit partout en Côte d'Ivoire. Que ce soit en forêt, en savane, dans les prairies. Est-ce que tu as compris les enfants? Est-ce que tu as bien compris? C'est bien. C'est ça, je parle de vautour. Là-bas, c'est marabout, là-bas, c'est vautour palmiste. Voilà. Est-ce que tu as compris? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? On peut continuer. D'accord. Je viens, oui. Pourquoi? Ils ne sont pas séparés, ils font ça grand. Ce sont des animaux qui vivent en forêt. Là-bas, ils sont en liberté. L'espace n'est pas restreint, n'est-ce pas? Mais ici, aux zones, on essaie de les mettre dans des cages. Et pour les mettre dans des cages, il faut quand même représenter le milieu de vie. Et les animaux qui ne sont pas dans leur milieu, ils meurent. Donc il faut représenter le milieu de vie, voilà, pour ne pas que l'animal se stresse. Donc on n'a pas sur la cause. Donc on ne peut pas représenter le milieu de vie de chaque animal dans chaque cage. Non seulement pour ne pas qu'il meure, et puis aussi faciliter la reproduction. Parce qu'il est stressé. Toi-même, un être humain, quand tu es toujours dans la maison, tu es enfermé, tu vois que tu ne te sens pas, non? Avec les animaux, c'est pareil. Voilà, donc il faut toujours agrandir leur espace et plus essayer de créer leur milieu de vie. C'est important. Vous avez compris? Hein? Venez, on continue. Là-bas, ce sont des singes verts. Les premiers là. On les appelle singes verts. Eux, on les trouve dans la région de Bondoukou. Ils ont une durée de vie de 30 ans. Mais ceux qui sont ici à côté là, c'est-à-dire à droite, ce sont des mangabés, les mangabés couronnés. Ce sont des singes de forêt. On les trouve ici aussi, on les trouve aussi à l'ouest. Précisément dans la région de Danané. Hein? Ce sont des animaux qui mangent tout. Les singes sont omnivores. Je vous ai dit, un omnivore, c'est un animal qui mange tout ce que l'homme mange. Un frugivore. Un granivore, qu'est-ce que c'est? Granivore. Oui. Non, granivore. Voilà, un granivore, c'est un animal qui se nourrit que de graines. Donc ça peut être le mil, ça peut être le maïs, ça peut être l'arachide. Comme les perroquets. Voilà. Ici, nous avons une autre variété de singe. Ça, c'est un patas. Vous avez vu la couleur, non? Voilà, il est différent de ceux qu'on a déjà vus. Ce genre de singe-là, c'est en savane qu'on les trouve. Ce sont des patas, en fait. C'est un patas. Elle est seule. Elle est seule parce que ce sont des animaux qui ne peuvent pas tenir ici au sud à cause de l'humidité. Donc quand ils viennent, ils contractent ce qu'on appelle la diarrhée rouge. Chez l'homme, c'est la dysenterie, c'est le choléra. Voilà, mais chez les animaux, on appelle ça la coccidiose. C'est la diarrhée rouge. Vous avez compris? Ce sont des animaux qui ont une durée de vie de 24 ans. Ils mangent le maïs, hein. Ils aiment plus le maïs. Quand vous allez arriver au Nord, à Korogo, Fekke, ceux-là, vous allez voir beaucoup. C'est vrai que vous allez voir d'autres variétés de singes, mais c'est ceux-là qui dominent. Ils sont beaucoup. Mais on voit la peau de banane. Oui, ils sont omnivores. Mais à côté, là, on a des oiseaux. Ces oiseaux qui sont là, ce ne sont pas des aigles. Ils sont un peu comme des éperviers, ils sont de la même famille. On les appelle Milan Noir, sont ceux qu'on voit beaucoup survoler. Approchez pour bien voir. On les trouve ici aussi. Vous avez une durée de vie de 25 ans. Ils mangent la viande. La viande. On leur donne aussi des poussins. Parce qu'ils sont des chasseurs. Voilà. Il faut toujours réveiller en eux leur instinct animal. Quand l'animal est en captivité, il ne faut pas toujours leur donner ce qu'il ne faut pas. Quand il est en phase terminale, il faut le libérer. Ça dit quoi? Soit il a une durée de vie de 25 ans. Déjà à 20 ans, il faut le libérer. Il faudrait qu'il parte dans son milieu naturel. Mais si cet animal a perdu ses capacités étant enfermé ici, comment est-ce qu'il pourra chasser là-bas? Comment est-ce qu'il pourra se nourrir?
Voilà, donc il faut tenir compte de tous ces contours-là. C'est pourquoi en captivité, on leur donne la viande fraîche, saignante, pour que le sang puisse augmenter le degré d'agressivité. Maintenant, aux chasseurs, il faut donner des proies vivantes. Il ne faut pas couper leur réflexe. Il est sauvage, il reste sauvage, jusqu'à ce qu'on le libère. C'est comme ça. On va le domestiquer. Ce qu'on peut domestiquer là, eux, ils vont rester domestiques. Mais ce qu'on ne veut pas là, il reste sauvage, c'est comme ça. C'est pourquoi on leur donne des poussées, parce que ce sont des voleurs. Voilà, dans le milieu naturel, ils vont arriver à l'enfer. Ils vont voler les souris. C'est comme ça. Les poussins, là. Vous avez compris, les enfants, ce sont des animaux sauvages. Oui, papa. Il y a un qui est en bas là. Oui, c'est un milan noir. Oui, pourquoi lui il est malade? Non, il n'est pas malade, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'est pas malade. Derrière, on a des civettes. On les appelle aussi chats musqués. Ils sont de la même famille que les putois. Laissez voilà. Les enfants passer devant les grands derrière. Les chats musqués. Les petits détails devant. Ils sont des glandes qui produisent le musc. C'est un gaz qui est très puissant. C'est ajouté au parfum, mais ça dans les parfums. Pas parce que ça sent bon, mais parce que ça fixe les odeurs. Voilà, il y a des parfums. Lorsqu'on met dans notre tenue, même après la lessive, l'odeur y est. C'est déjà ça qui est utilisé. Qui aime parfum ici là? Vous qui aimez le parfum. Quand le parfum là, reste dans la vie, vous aimez ça non? Même quand on lave même la odeur là, vous aimez ça? Si. Alors? Toi tu n'aimes pas parfum. Mais tu vas lever ta main. Elle s'appelle Sylvette. Vous répétez après moi, Sylvette. Sylvette. Non, non, non. Je n'ai pas dit Sylvette. Non, Sylvette. Civette, voilà, civette, voilà, ce sont des civettes. Hein? Est-ce que ça a compris les enfants? Qui n'a rien compris? C'est 20 ans. Les civettes ont une durée de vie de 20 ans. Oui, chérie. Oui, je viens. Oui. C'est son caca là. En fait, c'est pas les selles en tant que telles. Ils font les selles. Vous savez, ils ont des glandes. Vers l'anus là, il y a une sorte de membrane. Hein? Et cette membrane là qui produit ce gaz là, cette vilaine odeur. Donc, puisque les selles doivent sortir, ça doit passer par là. Donc, en sortant, c'est cette glande là va pouvoir embaumer les selles. Donc, ça est dedans. Ça est dans le caca là. Il va finir chier. Je vais vous expliquer à terre. Il va finir chier. Maintenant, si tu veux extraire le gaz, il faut laisser fermenter. Oui, c'est ce que les usines font. Il faut laisser fermenter les selles et puis recueillir le gaz. Mais elles ont une manière, elles, de pouvoir fermenter. C'est comme chez les Chinois. Ils relient chaque fois leur cuisinière au chauffeur, au plus perdu. C'est comme ça. Chez les Chinois, la plupart du temps, c'est relié. Là-bas, dans les fosses septiques, tout est fermé. Oui, de là-bas où se déversent les sels, tout ça, il y a une sorte de gaz. C'est relié directement à la cuisine. C'est ce qui alimente le gazier. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est naturel. Ça sort de toi-même, ça rentre en corps. Est-ce que tu as compris, les enfants? Amen. Qui n'a rien compris? Compris. Tu as compris? Okay. Merci beaucoup. Donc, on peut continuer. Mm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Hein? D'accord. Laissez les enfants devant. Les enfants devant les un peu grands. Voilà. Ici, on a des babouins. Voilà, là-bas, c'est la petite. C'est la femelle. La petite, là, c'est la femelle. Celle qui a le derrière tout rose, là. C'est une femelle. Il y a. Il y a des papas. On les appelle babouins. Les babouins, les femelles sont très petites, contrairement aux mâles. Ce sont des animaux qui ont une durée de vie de 20 ans. Mais ils courent à 40 km/h. Oui, et puis chez eux là, quand la maman est en gestation, c'est-à-dire qu'elle est enceinte là, ça dure 7 mois. Maintenant, il y a un seul petit qui naît. Quand il naît là, c'est sa maman qui lui donne à téter jusqu'à 1 an. Après 1 an, il est sévré. Donc, quand il est sévère, il devient autonome. Ça dit quoi? Quand on dit quelqu'un devient autonome, ça veut dire quoi? Oui. Voilà. En ce moment, l'éducation est assurée par le papa. Parce que chez eux, il existe une sorte d'hierarchie. Il faut se plier aux règles et aux obligations. Du mal de l'homme, c'est comme ça.
Ce sont des animaux qui sont capables de tuer certains mâles, ils sont capables de tuer aussi des femelles. Hein? Donc la norme, c'est de les dispatcher. On les sépare pour évaluer le degré d'agressivité avant de les coupler. Vous avez compris? On n'a pas de gorille en Côte d'Ivoire. Mais vous ne mettez pas gorille. On n'a pas de gorille en Côte d'Ivoire, on a des chimpanzés. Ce sont eux qui sont là. Ce sont des chimpanzés. Regardez bien. Non, c'est pas gorille, c'est chimpanzé. On n'a pas de gorille en Côte d'Ivoire. On a des chimpanzés. Nous sommes 99% de l'ADN génétique à l'ADN de l'homme. Ça veut dire quoi? Le sang, c'est lui, c'est presque comme un être humain. Ils ont une durée de vie de 60 ans. Ils sont omnivores. Un omnivore, qu'est-ce que c'est? Oui. Voilà, ils mangent tout ce que l'homme mange. Vous avez compris? Ils ont une durée de vie de 60 ans. Ils durent 60 ans sur Terre. Celle-là, c'est la mère de tous. Ce ne sont pas ses propres enfants. Celle-là, ce ne sont pas ses propres enfants. Tout ce qui a un rapport avec la volaille. Qu'est-ce que c'est, les enfants? Moi. Qu'est-ce que c'est? Les filles, là, moi je suis en colère après vous. Vous avez le droit. Vous avez mis votre la sous nous juste. Maman, ce sont des lions. Maintenant, dans cet enclos-là, on a deux mamans et puis on a des enfants. Huit. Oui. On a deux mamans et puis on a huit. Mais papa, là, il est détruit, il est enfermé. Il faut lui donner la paille. Mais elle peut faire 18 bébés. Oui, quand elle n'a rien fait là, c'est 4. Tu n'as plus fait jusqu'à 6. Mais 3 fois, ça fait combien? 3 fois 6. 18. En tant que elles sont nourries à 20, 25 à 30 kilos. Mais tous les jours. C'est un budget. C'est un budget. Mais comme le budget n'est pas consistant, on se sert des droits d'entrée, des droits de guide pour nourrir les animaux. Donc on ne peut pas les laisser se reproduire comme ça. À moins que le ministère nous donne son autorisation. C'est comme ça. En ce moment-là, là on sait qu'on peut aller peupler les différents parcs et puis réserves. Les lions, si c'est le papa, il a 5 ans. Les mamans là, elles ont 4 ans. Ils ont 30 ans, ils ont une durée de vie de 30 ans. Ils ont une durée de vie de 30 ans. Papa au fond là-bas. Papa est enfermé. Les mamans là, il y a une maman qui a couché là-bas. Elle a 6 là-bas, il y a son fils derrière elle. Elle a 4 ans. Maintenant, il y a une autre maman. Je dis, quand on regarde, on n'arrive pas à faire la distinction. Il y a une autre maman qui est dedans. Tout à l'heure quand on venait, cette tortillesse qu'on la voit, venez regarder ici. C'est qu'elle est cachée ici. On voit sa carapace. Ça c'est oui. Oui. Elle a 119 ans. Oui, elle a 119 ans. Mais elle a une durée de vie de 350 ans. Et ces tortues-là, on les trouve sur deux îles. Les îles Seychelles et les îles de la Galapagos. C'est pas ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est un ancien président libérien qu'on appelle William Tolbert. Si. Voilà, c'est lui qui a fait don au président au Faux-Boyen. Vous ne l'avez pas connu. Vous ne l'avez pas connu. Oui, oui. Mais cette tortue-là, ça m'a aimé. Vous avez compris, elle est végétarienne.
Ça veut dire quoi? Elle mange quoi? Elle mange. Oui. Elle mange des végétaux. Elle mange des végétaux. Elle mange des végétaux. Vous avez compris? Elle mange des végétaux. Qui n'a pas compris quelque chose? Qui n'a rien compris du tout? Ça peut aller, non? Ça va bien? Parce qu'on continue. Ça va, non? On va même nourrir l'éléphant. Hein? Non, on va nourrir. On va la nourrir avec des feuilles, chérie. Non, ce n'est pas lapin, ce sont des biches. Ce sont des petites biches. Il y en a de plusieurs couleurs. Il y a les noirs qu'on appelle biche royale. Il y a cette couleur-là qu'on appelle séparée. Très bon. Venez les enfants, on va voir les zèbres. Oui, c'est le léopard. On nourrit l'éléphant. Tu parles du noir, quoi. C'est vous qui nourrit l'éléphant. Je ne fais rien. Tu fais la pantée, là. Si vous voyez une pantée qui est noire, totalement noire, d'autres disent la pantée noire, la pantée noire. Naturellement, ça n'existe pas. Chez eux, là, leur albinos est noir. Chez nous, notre albinos, il est comment? Il est blanc, non? Voilà. Chez eux, leur albinos, il est noir. Mais quand tu regardes bien, tu vas voir les tacons. On va parler de Samy. Écoutez quand la maman parle. Venez les enfants. Écoutez. Après voilà, là vous mettez les questions. Oui chérie. Oui, check. Oui, on va donner à l'éléphant. Vous attrapez, vous avez compris. Vous prenez une feuille. Prenez une feuille. Donc chacune de vous peut prendre un ou deux feuilles. Elle n'a pas de femelle. Ou bien trois, ça dépend de vous. On va donner à manger à l'éléphant. Oui, chérie. Les hommes n'ont pas de femelle. Non, ils étaient quatre. Il y a trois qui sont morts. C'est le climat. Ce sont des animaux qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas tenir. Le climat n'est pas favorable. On peut vous soulever une lion pour voir ici. Non, on met pas de femelle. Regardez là, les enfants, on a le zèbre. C'est un zèbre de plaine. C'est un zèbre de plaine. Ils nous ont dit que c'est cette variété de zèbre là qui pouvait tenir ici en Côte d'Ivoire. Regardez bien la couleur, c'est pas blanc-noir. C'est noir, mais l'autre, c'est pas aussi blanc. Voilà. Avec ces animaux-là, on parle de thermorégulation. C'est-à-dire que tous les animaux qui arrivent à réguler la température à partir des rayons du corps. Les rayons noirs attirent la chaleur. Maintenant, les autres rayons là attirent l'oxygène. Donc, à n'importe quel moment, la température est régulée. Vous avez compris? Mais les sous. Hein? Bon, pour le moment, les sous. Ils étaient quatre, il y a trois qui sont morts. On doit faire venir un coup de téléphone. Après, maintenant, on va changer à faire venir le groupe de zéro. Parce que ça demande beaucoup, assez de moyens. Et puis, il faut voir, il faudrait qu'ils arrivent à s'adapter. Déjà, c'est le climat qui a tué trois. Bon, celle-là, elle est la plus pénible. Je veux voir, actuellement, là, le temps est un peu bizarre. N'arrive plus à contrôler, le climat, c'est difficile. C'est donc, on attend peut-être la période où c'est vraiment la période sèche. Ils ont une durée de vie de 30 ans. Les arbres durent 30 ans. Où on va, ça va là? On va aller voir les crocodiles, les enfants. Pardonnez, ne vous couchez pas sur la grille. Vous avez compris? Hein? Ne vous couchez pas sur la grille. On va les regarder. Ceux qu'on va les voir, ce sont des crocodiles du Nil. Voilà, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de caïman. On n'a pas de caïman. Ce sont des crocodiles du Nil. Non, non, non. Les caïmans, ça n'existe pas. On a même des caïmans. On a même des caïmans. Les bébés sortent de la coquille. Les bébés sortent de la coquille avec 75 dents. Les bébés, oui. À l'âge adulte, ça fait 95. Mais les crocodiles sont des animaux qui n'ont pas de langue. Ils avalent tout simplement la nourriture. Ici, aux eaux, il y a trois variétés de crocodiles. On a les nez. Les crocodiles nés, eux, ont une durée de vie de 75 ans. Ils sont petits, ceux-ci. Ils sont là, ils sont dans l'eau. Ils sont loin, ils sont fous comme ça.
On les appelle nés. Les voilà qui sont dans l'eau. C'est monsieur et madame. Quand ils sont petits, ils ont des taches jaunes sur le corps. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ces taches-là disparaissent. Quand ça disparaît totalement, ça annonce que l'animal est mature. On ne touche pas la grille. Donc les nés du 75 ans, ils mangent tout ce qui est crustacé. C'est-à-dire quoi? Crabe, crevette, écrevisse. Est-ce que c'est compris? C'est bien compris les enfants? On va aller voir les crocodiles du Nil, vous allez voir qu'ils ne sont pas pareils. Dieu de vie. 75 ans. 75 ans. On n'a pas dit 15 ans. On n'y est même pas là. D'où est-ce qu'on a vu bien le voir? Comment est-ce là? C'est qui va marcher? Et puis il marche dans l'eau. Il allait marcher dans ton dos. Il marche, il ne pas là. Il marche pas là. Il pas là. Lui là. Lui là. Dites, ne pas toucher. Ne pas sauter sur vous. Allons. Olivia, s'il te plaît, les enfants, hein. Faut voir, hein. N'ont qu'à quitter. Devant. Maya. Maya. Oui, elle est seule. Ça, c'est l'hippopotame. Il ne peut pas rester hors de l'eau pendant plus d'une demi-journée. Parce qu'une fois que la peau commence à sécher, commence à s'étouffer, mais ils ont des poumons qui peuvent emmagasiner l'oxygène. Elle est encore petite. Elle n'a que 12 ans. Elle est encore petite. Elle n'a que 12 ans. C'est quoi l'hippopotame? L'hippopotame. Faut appeler Maya. Il tue le crocodile. Le crocodile ne tue le crocodile. À l'âge adulte, la masse là varie entre 500 et 600 kilos. Mais il y a une autre variété de nez qui peut atteindre une tonne. Mais on la trouve un peu vers Béoumi. Celle-là, c'est de taille, jouissant. On y prend, c'est tout. Non, c'est pas grave. Il y a beaucoup qui sont morts. Donne le téléphone à lui. Non, c'est pas grave. Comme il mange à terre, la même chose. Tu vois, ça contamine. Donc, si on a le médicament, on peut traiter les yeux. Mais quand ce sont des maladies qui sont graves, il faut les incinérer. Quand il meurt comme ça, il faut les brûler rapidement. Ou bien, en fait, les examens, on sait qu'il a la maladie, il faut le tuer rapidement. Pour ne pas que la personne qui s'occupe de lui, là, contracte la maladie. Il y a d'autres qui avaient la tuberculose. L'autre est mort, mais l'autre, là, elle ne faisait pas encore bien la maladie. On a fait des examens, on a vu qu'elle avait sa cesse et un chimpanzé. On a préféré la tuer et puis on l'a incinéré. Il y a des soignants qui ont contracté ce genre de maladie. Il y a d'autres qui sont morts comme ça. Ils n'ont pas vu dessus. Donc, ce sont des choses qu'on traite maintenant facilement. Ok, on a vu l'hippopotame.
Ok, donc on continue. C'est pas gazelle, hein. C'est pas gazelle. Guy Banaché. Ça, c'est Guy Banaché. Oui, Guy. G-U-I-B. Trait d'union. Au revoir. G-U-I-B. Trait d'union. H. H-A-R. N-A-C-H-E à Saint-Aigu. Guibo Anarché. Ils, eux ceux-là sont dans le groupe des gazelles parce qu'ils sont beaucoup plus grands. On n'a pas de gazelle en Côte d'Ivoire. L'animal gazelle, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ça, c'est un Guibo Anarché. Les papas en déconne, les mamans n'en ont pas. Ceux-là, on les a isolés parce qu'on n'arrive plus à les contrôler. Ils attaquent avec les cônes. Ils tuent facilement avec les cônes. Oui, quand ils sont tout petits, là. Quand les cônes ne sont pas encore sortis, normalement on devait limer les cônes à chaque fois. Mais quand vous ne limez pas, quand vous le laissez, il devient adulte comme ça. Chaque fois que vous aurez envie de limer, là, il va commencer à saigner. Parce que les vaisseaux sanguins montent. Si c'est l'habitude comme ça, ça se limite. Il dure 12 ans. Mais à partir de 1 an, il commence à faire des enfants. Voilà, la maturité sexuelle, c'est 1 an. Oui. Donc si un jour, vous voulez garder ce genre de bêtes là chez vous, prenez plutôt les femelles. Parce que les mamans n'ont pas de cônes. Et puis elles sont très douces. Très douces. Donc, elles durent combien de temps ? 12 ans. Elles sont célibataires à 0 ans. Non, elles ne mettent pas de mari. La caméraman. La caméraman. Faites attention. Voilà. Tu as dit qu'on a fait. Il y a des descentes ici. Oui. Ici, c'est le facochet. Est-ce qu'on va la voir ? Elles sont cachées. En fait, ce sont des animaux qui aiment se cacher dans les creux des arbres. Ils aiment ça, c'est leur milieu. On les trouve dans les endroits où il y a des arbres. Ils aiment se cacher dans les creux. Elles s'appellent Zazou. Zazou, ça ici. Ce sont des animaux qui ont une durée de vie de 25 ans. Attends, il y a tout. Le pacochet dure 25 ans. Elle n'a pas sorti, celle-là. Elle est têtue. Peut-être le choix. Mais les gens me disent. Venez les enfants. Elle s'appelle Tito. 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 C'est l'animal qui a la mâchoire la plus puissante au monde. Elle est capable de broyer les os et puis les rendre en pâte. Elle est capable de broyer les os et puis les rendre en pâte. Ce sont des animaux qui ont une durée de vie de 25 ans. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Vous avez compris? Hein? Les femelles sont plus grosses que les mâles. N'oubliez pas, lui c'est une femelle. Elles sont deux. Ce sont des animaux qui naissent avec les deux sexes. Ils sont hermaphrodites. Oui. 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 Il laisse avec les deux sexes. Mais il y a un sexe qui domine. Si c'est le côté femelle qui domine, le côté mâle. Oui, l'éléphant est sorti, on va voir l'éléphant. On va faire la décide d'abord. C'est le côté garçon qui a développé, le côté mâle ne fonctionne plus. Mais les femelles sont plus grosses que les mâles. Et puis là-bas, c'est le matriaka. Ah bon? Oui. Ce sont les femelles. C'est les baoulés. C'est les baoulés. Ce sont des arcans. Ah. Attendez les enfants, attendez. C'est une femelle. C'est une Olivia, veillez sur les enfants, veillez sur eux. Attrapez-vous comme ça. Otiniel, passe ici. Otiniel, rentre déjà, attrapez-vous. Espérance, c'est pas votre tour. Attrapez-vous les mains comme ça. Là, il prend l'eau.
Il prend l'eau à terre. Oui. Voilà. Ils ont une durée de vie de 25 ans. Comme je vous le disais, l'albinos est noir. C'est le léopard. L'albinos est totalement noir. Totalement sombre. Vous avez compris? L'albinos est totalement sombre. Et si tu veux, voilà. Il mange la viande. Il est beau quand même. Vous les voyez toujours à la télévision, parce qu'ils courent là. C'est le léopard où la pente est achetée. On a vu? Voilà, on va aller voir maintenant la dernière espèce de crocodile. Ça, c'est le faux gavial. C'est une espèce qui est en voie de disparition. Et dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui a cette variété là. On l'appelle le faux gavial. On dit de ne pas s'approcher de la grille. On vous a déjà dit. Les grands sont ici. Comme je vous disais, les crocodiles sont des animaux qui n'ont pas de langue. Voici un café. Ils avalent tout simplement la nourriture. Vous avez compris? Vous, vous êtes derrière. 50 ans. On leur donne le poisson. La gueule est mise comme ça. On leur donne le poisson parce que le poisson contient le calcium. Donc ça permet de se nourrir. Vous avez compris? Est-ce que c'est bien compris? Tu vois, ça se casse, ils sont très fragiles. Dans c'est l'espèce de crocodile qui est en voie de disparition là. Et c'est la Côte d'Ivoire seulement qui a ça. Dans ce bassin là, ils sont 36. Les bébés là, ils sont au nombre de 15. On fait la culture du faux gavial. Chez les crocodiles, c'est la température qui définit le sexe. Les femelles pondent pendant la saison des pluies. Vous avez compris? Pendant la saison des pluies. Hein? Et où les œufs se trouvent là, si c'est là-bas, il est trop chaud, ça fait des mâles. Quand c'est moyen, ça fait des femelles. Je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc nous, on a des appareils ici, on a des incubateurs. C'est dedans qu'on met les œufs. Voilà, donc on règle en fonction maintenant de nous, notre préférence. Si on a besoin de plus de femelles, on met presque, on fait 80% des œufs là-bas. Si on a besoin de plus de mâles, voilà, c'est comme ça on fait. Vous avez compris. Hein? Si on arrive chez l'éléphant, qu'il y a encore des enfants, des élèves, vous allez garder vos feuilles. Vous allez manger ici, non? Lorsque vous aurez terminé de manger, là, vous pouvez passer plus de temps avec l'éléphant. Comme actuellement, ils sont en train de prendre les photos. Bon, elle est captée, voilà, avec leur nourriture, là. Quand elle va finir avec eux, elle va prendre les feuilles. Donc, vous gardez vos feuilles avec vous. Vous avez compris. Même si vous les jetez, mais après, vous pouvez en prendre. Ce sont de bonnes feuilles. Ce genre de feuilles-là sont des badaniers. C'est le feuilles de badanier, c'est bon. Oui, ça soigne même, c'est très bon. Oui, ça soigne l'homme, ça soigne fièvre typhoïde, ça soigne tension, diabète aussi. Oui, vous ne savez pas ça. Non, ça soigne pas. On appelle cocoma, cocoma, là, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on va aller voir l'éléphant. L'éléphant qui est là, elle est encore petite, je vais chérie. Elle a 25 ans, elle s'appelle Khan. Chez l'éléphant, la gestation dure 22 mois. C'est-à-dire qu'elle est enceinte là. Ça fait 22 mois. Il reste 2 mois. Ça fait 200. Quand l'enfant naît aussi, le nouveau-né, là, sa masse est comprise entre 95 et 135 kilos. C'est comme ça. Elle allait aussi pendant 22 mois. C'est un animal qui mange 200 à 300 kilos par jour. De fruits, de feuilles, de légumes, de tubercules. Chez l'éléphant, la vision est médiocre. Mais c'est un animal qui est capable d'enregistrer 150 sons. Ce sont des animaux qui marchent beaucoup. L'éléphant ne peut pas dormir pendant plus d'une heure de temps parce qu'il va mourir. Il fait ça, il meurt. Il doit toujours être en mouvement. Parce qu'il a une masse corporelle vraiment énorme. Il doit toujours être en mouvement pour pouvoir faire circuler le sang. S'il reste couché pendant plus d'une heure de temps, il meurt. Le sang va tomber. Ce sont des animaux qui ont une durée de vie de 70 ans. 70 ans. Donc on va avancer, on va la voir un peu.
si les enfants là sont toujours là-bas, vous allez garder vos feux. Lorsque vous allez terminer, voilà. Vous allez les manger. Là, ce sont des poires, des autruches. Tout ça, c'est pour le jeu pédagogique. Le Olivia, mais dans ton téléphone, elle n'a qu'à couper, et on est en train de faire le direct dans ton photo, c'est pas mieux. Faut donner prendre photo. Non. Bruno, tu es mal placé. Mets-toi ici, tu vas. Prenez banane.
bien. Et la bataille. Non, vous pouvez prendre photo. Moni, vous pouvez prendre photo. Il est pire. Maman,